Elisabeth Gozeau, je suis la présidente de Sangjiaz, une association de mémoire qui existe depuis 1998. On a fêté nos 16 ans. On n'est pas une association de véhicules, c'est très important, on est une association de mémoire. Il y a des gens de l'association qui possèdent leur propre véhicule. Nous, personnellement, moi et mon mari, on en a deux. Et puis autrement, c'est tous les membres de l'association qui ont des véhicules et qui les amènent quand ils le peuvent. Le propos est de perpétuer la mémoire des libérateurs et la reconnaissance qu'on leur doit. En contact avec les Américains, de moins en moins avec les vétérans maintenant parce qu'ils commencent à avoir des âges canoniques et à disparaître, hélas, mais avec leurs familles qui reviennent maintenant et qui veulent voir où leurs pères ont combattu. C'est aujourd'hui, nous sommes heureux d'être libres et fiers d'être français. Merci les GIs. Au drapeau. Prise de parole du colonel Legrand, président du comité d'action de la résistance de Lorraine. Devant ce monument, nous allons rendre hommage à tous ceux qui donnèrent leur vie pour la libération de la France, de la Lorraine et de Pont-à-Mousson. Je voudrais rappeler que rien que pour la Meurthe-et-Moselle, 161 résistants furent tués au cours des combats de la libération. 185 tombèrent sous les balles des pelotons d'exécution. 1616 personnes furent déportées, dont 720 pour fait de résistance.
Aujourd'hui, tous ces moments peuvent nous paraître lointains. Ils sont pourtant juste derrière nous. Certaines et certains d'entre nous les ont connus et ils doivent aujourd'hui témoigner pour que nous ne revivions plus ces instants-là. La paix est un moment fragile. La ville de Pont-à-Mousson a payé un lourd tribut pour la libération de la France. Plus de 50 morts sont à déplorer lors de ces opérations de la libération, et des séquelles importantes ont marqué notre ville. Je tiens ce soir à vous remercier toutes et tous de votre présence. Merci à toutes et à tous.